Bah, c'est vrai que déjà le Saurin, il avait la réputation d'être extraordinaire au niveau gonflage, montée de voile, dans des conditions difficiles, sans vent. Là, on est encore mieux, quoi, hein. C'est juste parfait, ça monte super bien, c'est facile, quoi. Moi, là où je trouve qu'on a un sérieux point fort aussi, dont on a besoin d'évoquer, c'est que c'est en termes de virage, quoi, hein. On a quelque chose qui répond beaucoup mieux que le Saura 1. On a un poste de pilotage qui est rehaussé, donc ça répond tout de suite. Le virage, il est plus performant, plus précis. C'est vrai qu'on a un peu plus de fermeté à la commande. Par contre, cette fermeté, elle vient avec de la précision. Donc finalement, on a moins besoin d'aller chercher du débattement pour que ça fonctionne bien. Donc le plaisir du pilote, il est là, quoi. C'était confortable de voler avec le Saurin. Là, ça va être confortable et encore plus de plaisir parce qu'il y a de la précision. C'était un des gros points forts dès les premiers protos, dès les premières versions, et ça se confirme. Quand on lâche la voile, quand on lui permet de prendre de la vitesse en détriment, on garde clairement de la perf, on est dans le mieux par rapport à ce qu'on avait avec le Saura 1. On garde le confort, le plaisir pour le biplace pro. Et puis côté performance, là on a sérieusement progressé, quoi. Et puis je sais que je vais rester avec ce biplace-là pour les saisons qui viennent, parce que j'adore ça, quoi. Il fonctionne bien, tout ce qui était un peu amélioré, ça a été amélioré, voire vraiment sérieusement travaillé. Le Saura 2, c'est mon biplace, quoi.